a notre association qui est en plein cœur du 19e, qui distribue des centaines de colis par semaine, des milliers par an. Shalom Cohen continue dans le chemin et dans la lignée de son cher papa Joe, que toujours son cœur était ouvert pour les pauvres, pour les nécessiteux. Et Baruch HaShem Shalom a ajouté encore autre chose, c'est qu'il a fait en même temps une synagogue. Et alors bien sûr, tout celui qui peut le contribuer, l'aider et réconforter sa mission, parce que quand on passe ici, quand on amène nos enfants à l'école, et on voit tous les jeudis tellement de gens nécessiteux, jeunes, moins jeunes, tous se sentent chez eux avec ce grand sourire de Shalom. Alors espérons que par votre contribution, la bénédiction du Cohen sera sur vous. Il fait un travail formidable, donc il faut vraiment l'aider. Et ça, c'est de l'argent qui va directement aux pauvres et c'est une grande ségoula pour la richesse. Il est là depuis des années, il distribue énormément de choses, il s'occupe beaucoup des gens qui sont dans le besoin. Et vraiment, il a besoin de vous. Je suis maman de 5 enfants et grâce à eux, j'arrive plus ou moins à finir le mois avec mes enfants. Je viens chaque jeudi et des fois je viens samedi. Et à des années hein, que je prends. On est toujours bien servi, grâce à Dieu. Pour les fêtes, on a des colis. Ça continue. Amen. Abraham Avinu avait créé une institution extraordinaire, le Echel d'Abraham Avinu, un endroit où on pouvait se restaurer et un endroit où les gens trouvaient une connexion avec leur créateur. Bien, Shalom Cohen perpétue l'institution qui s'appelle la Fraternité Le Shalom, un endroit où on peut venir manger, se restaurer, un endroit où les gens y trouvent une connexion avec Akadosh Baruch Hu. On peut venir y prier, étudier la Torah. Et c'est devenu un lieu incontournable du 19e arrondissement pour toute la communauté juive. Ici, c'est un lieu de don, un lieu de shalom, un lieu de partage, un lieu dans lequel beaucoup de personnes qui sont dans le besoin viennent. On voit arriver des personnes dans ce lieu extraordinaire, on voit arriver des personnes du monde entier. C'est une très grande mitzvah. Il y a des gens qui sont très pauvres, qui n'ont pas de quoi passer Shabbat. Il y a de plus en plus de monde. Et vraiment, il y a besoin de vous. Merci pour votre aide. Tous les dons sont les bienvenus. Avec 20 euros, on peut aller acheter des pâtes. Avec 50 euros, on peut aller acheter de la viande, etc. etc. Donc il n'y a pas de petite participation. On compte sur vous. Sans votre soutien, on ne pourrait pas faire grand-chose. Je vous remercie encore infiniment. Am Israël Echad.